vous allez bien. Coucou! C'est bien coucou! Tu m'as appelé coucou en mode coucou! Coucou! On espère que vous allez bien! Et voilà, je pars en fourrure, on est foutu. Pour le cul. Coucou! Coucou! On espère que vous allez. Troisième prise, les gars! On va y arriver avec le coucou! Coucou, on espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui à ça va pour rire parce que genre ça fait 3 quarts d'heure qu'on essaie de faire l'intro avec le coucou et ça passe tellement pas. On se tape des fous rires, je te promets, je vais faire un bruit de coucou à un moment donné. Coucou. Dans la vidéo, c'est faire coucou. On espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'il fallait que je dise déjà? Je sais pas. On espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo à 2, 1, 2. Et oui les gars, on sait compter jusqu'à 2. Pour une vidéo haul pyjama. On a été chez Undies et on a fait des commandes aussi sur internet parce que nous et les pyjamas, nous sommes des pyjamas addicts. Et oui les gars, addicts aux pyjamas, on surkiffe ça. Limite même pour sortir, on met des pyjamas. Et ouais ouais, y'a quoi? Y'a un problème? Eh ben je m'en fous. Si jamais vous aussi vous êtes une Undies addict, restez pour la vidéo et laissez-nous des petits commentaires. Même des... si vous ne l'êtes pas. Hein. Ouais, voilà. Vous laissez des commentaires, vous vous abonnez, vous mettez des pouces bleus, vous faites tout ce que vous voulez. Mais ça fait plaisir. Les pouces maintenant? Ouais, maintenant les pouces sont bleus encore. Donc ça fait toujours plaisir et voilà. Et il faut que vous soyez là au rendez-vous. Voilà. Donc voilà. Et on voulait vous présenter un petit peu tout ça. Bon, il y a des articles, vous allez voir qu'on a pareil. Parce que j'ai copié. Putain, c'est quoi cet épi de merde là? Il est piqueté depuis ce matin. Oh putain, le blaireau en plus, genre il pleut, tant de merde. C'est pas pour que j'ai mis le capuche. On a des articles du coup qu'on va pas vous montrer en double, sachant qu'on a pareil. Donc je commence parce que moi j'en ai plus. Alors, on va déjà commencer par un petit pantalon. Comme ceci. Ta gali, ta gala. Donc c'est. Voilà les Dayton. Voilà là. Non, c'est pas ça la chanson. Bah si, Tagadi, Tagada. C'est pas ça la chanson. C'est pas ça la chanson. Je cherche la chanson, maintenant je parle. Donc c'est un petit pantalon assez fluide. Hop. Donc qui n'est pas resserré en bas. Que vous pouvez la rigueur soit mettre en pyjama en hiver ou porter en été en tenue de jour. Donc il va être resserré au niveau de la taille. Et vous avez un petit cordon du coup qui va venir resserrer si jamais c'est un petit peu trop grand. Donc voilà, donc moi je l'ai pris en taille M. Donc oui, comme je vous le disais, donc moi je l'ai pris en taille M, sachant que je fais un 38 et il était au prix de 14,95€. Wally wally wally. Donc il va être un peu vieux rose, noir et un peu rose, un peu plus pâle. Espèce de rose beige. Je sais pas si vous verrez bien la caméra. Du coup il est super sympa. J'arrive pas à dire le mot sympa. Sympa. Je dis le mot sapin. Il est super sympa. T'as vu là? J'arrive pas à dire sympa. T'es bizarre. Il est super cool. Synonyme bonjour. Il est super cool même en été vu qu'il est assez fluide quand il fait chaud, c'est vraiment pas mal à porter. Ensuite toujours dans les pantalons fluides, j'ai pris un kaki. Donc toujours resserré au niveau de la taille avec un espèce de petit cordon quoi. Et j'ai bien aimé parce que du coup il avait la bande blanche sur le côté. Et il n'est pas resserré en bas. Donc voilà. Je l'ai aussi pris en taille M. Et il était à 16,95€ celui-ci. Ils sont vachement fluides en fait. Donc je me dis même autant l'hiver pour dormir. Ou pour rester à la maison pour flâner ou quoi. Ou même du coup bah, l'été quand il fait vachement chaud. C'est... deuxième petit pantalon. Donc lui celui-ci pour le coup un peu plus épais. Mais moi j'aime bien dormir avec ça l'hiver. Donc ça va plus être sous forme de jogging, donc il est quand même relativement épais et un peu molletonné à l'intérieur. Donc il va être resserré à la ceinture avec le petit cordon. Donc c'est un jogging un peu gris foncé, comme ça qu'on appelle ça. Il va être resserré, au niveau des chevilles. Et il y a écrit, alors par contre, je sais pas ce qu'il y a écrit, parce que genre je l'ai acheté mais j'ai pas regardé. Il fait quoi? Encore un truc de fitness ou un délire, ça me gueule. Girl ou quoi? Ça veut dire quoi? Amiki. Hop. Donc sur le côté. Il y avait la tête. Donc voilà, il est vraiment pas mal. Et je me dis ça pour rester à la maison. Vu que l'hiver a un petit peu du mal à pointer le bout de son nez.
Un coup il fait froid, un coup il fait pas froid. Mais bon, bref, passons. Ensuite, un autre petit pantalon épais, molletonné. Ah, attendez, je vous ai pas dit le prix de celui-ci. Ah bah oui. Il était à 17,95. Et je prends tout en taille M, moi. Comme ça, je suis un peu large dedans, c'est bien. C'est ce qu'il dit, hein. Quoi? C'est ce que tu dis. De quoi, la taille M? Si, j'ai la preuve. Est-ce qu'on voit? Non. Ah hein? Attends, vas-y, focus. Focus! Ok. Je mets de la crosette à côté, comme ça. Et bah non, il veut pas focus. C'est une taille M, je le dis et je l'assume, ok. Donc petit pantalon, toujours un peu serré au niveau de la taille avec le petit cordon. Donc il est celui-ci à 17,95 aussi. Donc ça va être un gris clair avec les petites bandes comme ça. Et il y a écrit, mais je sais plus comment ça s'appelle ça, c'est un nom ce modèle, enfin ce style là. Enfin, moi ça me fait penser au baseball. Ouais mais j'aime trop. Bah Yankee. Il y a marqué Yankee, j'aime bien. Comme les bougies Yankee Candle. Ouais, que j'aime bien aussi. J'aime bien tout. Bref, donc voilà, donc il est assez molletonné. Il va aussi être resserré un petit peu au niveau des chevilles. Donc voilà, c'est trop bien. Vu que j'aime trop le gris, le noir, le kaki, j'ai dit quoi? J'ai dit, je prends du rouge. Oh. Et poum, accident de travail. Petit jogging rouge. Mais un rouge, bon là il paraît plus orangé je trouve à la caméra. Bref, rouge rouge. Avec la ceinture un peu comme ça. Oh, il me fait monter super chien. Donc il se resserre aussi à la taille. Et vous avez les bandes blanches sur le côté. Et aussi resserré au niveau des chevilles. Et celui-ci il va être aussi à 17,95. Ah, il a des vraies poches. Bah oui. Bah des fois il y en a, c'est des fausses poches. Et ça, c'est hyper bien pour les tenues cocooning de l'hiver, les gars. Les joggings un peu molletonnés. Vous m'en direz des nouvelles. Tu aimes ce mot cocooning? Ah, cocooning, c'est ma ville, cocooning. J'ai pris du coup des t-shirts pour aller à peu près avec les pantalons. J'ai pris un petit t-shirt à 9,95. Donc c'est un t-shirt blanc. Mais comme ça. Elle va se manger après, elle va mettre tous les dents dans la gueule. Blanc, manche courte. Avec, je sais pas si vous allez voir, marqué petit cul avec un petit cœur rose. Vous avez vu, il est mignon. Bref, ça n'a rien d'extraordinaire, mais je me dis, ce style de t-shirt, limite l'été, faut l'assumer, mais l'été avec un jean ou un short, je me dis, ça c'est pas mal. Bah, après, les gens vont regarder ton cul, ils vont se rendre compte que le t-shirt est faux. Il aurait dû marquer gros cul dessus. C'est vraiment une garce. Celui-ci, c'est le... Hein? Je me venge. J'ai encore rien fait, souvent j'allais ouf elle. Et ouais, dans les autres vidéos, on en reparle. J'ai rien fait moi, je suis innocente. Celui-ci il est à 14,95, donc du coup c'est le petit t-shirt pour aller avec le jogging un peu yonky. Mais moi j'aime trop, j'en avais pas des comme ça. J'aime trop avec un jean. Par contre je crois que j'ai dû prendre quasiment que du manche courte parce que j'aime pas dormir ou être avec des t-shirts manches longues. Je préfère des t-shirts manches courtes, j'ai un problème avec ça. Même en hiver je mets que du manche courte. Sauf sous mes robes ou les trucs qui piquent un peu là. Excusez-moi, genre on en parle du chien là? Bah quoi, il est posé. Posé, tranquille, les coussins, pépère, vive le pacha. Hein. Ensuite, je me suis pris un petit débardeur qui est à 6,95. Comme ceci, il a rien d'extraordinaire, mais j'aimais bien la couleur un peu violet, vieux rose comme ça. J'aime trop. Je trouve que ça me va bien au teint. T'as vu un peu? Ça s'appelle du teint très blanc. Mais c'est du teint. Ensuite, j'ai pris ce petit t-shirt là, donc gris, à 12,95. Qui va être manche longue, un peu court. Crop top. Comment ça qu'on dit? Crop top. Croc top. Toujours crop toc. Tu crop et tu top. C'est croc top. Ah oui, comme un croc. Je sais pas. Dites-nous en commentaire si vous savez comment ça s'écrit et genre comment ça se dit. Ça pourrait peut-être nous intéresser. Bref. Donc manche longue où il y a marqué chill. Parce que moi des fois j'aime bien chiller à la maison. Tu viens de le montrer. Je viens de le montrer. J'ai dit le prix? Oui. Bref, et bah du coup il est un peu quand même, un peu épais je trouve. Un peu, ouais, un petit peu épais, il est pas mal. Donc voilà, de toute façon. Bref. Intéressant. J'ai pris un espèce de petit cache-cœur. Je pense qu'on peut appeler ça un cache-cœur, n'est-ce pas madame? Manche longue. Et oui, et oui, et oui. Donc à savoir que genre sur le site c'est en mode bidon à l'air. Sauf que tout le monde n'a pas de la bidoche. On a pris un petit peu de poids depuis ces derniers temps, avec Noël et tout ce qui s'en est suivi.
Donc du coup, on va éviter de montrer le bidon tout de suite, hein. Mais oui, t'es belle, arrête de trop coiffer, elle est ouf, elle, hein. Je parle et tout, et l'autre, elle est... Moi, c'est que ça m'intéresse pas, c'est lui. Bref. Donc, petit cache-cœur kaki avec un espèce de petit nœud un peu retourné, je sais pas trop, au milieu. Donc, je le trouve super sympa et il est au prix de 12,95. Je trouve qu'en ce moment, je vais de plus en plus vers les couleurs un peu gris clair et kaki. En ce moment, je suis. D'habitude, j'ai toujours noir, blanc, enfin le basique, quoi. Attends, je suis fière de moi, j'ai pris un peu de rouge quand même et du rose. Enfin, vieux rose, parce que genre rose clair, moi, ça fait quiche Lorraine. Ah, bah, c'est mon avant-dernier article! Oh, j'ai été vite. Ça C'est va. bien. Donc, c'est un petit pull. À la copie, elle a pris le même que moi parce que moi, j'avais vu la première en rentrant dans le magasin. Et ouais. Elle assume pas. Mais bon, en vrai, celle qui l'a mis avant dans son sac. Mais c'est comme moi, je l'avais vu avant. Donc, il est au prix de 12,95. C'est un petit pull un peu oversize. Comme ceci. Donc, rose poudré un peu. Petit article, mais ce coup-ci là pour l'été. Oh, j'avais pas vu que c'était deux morts. Je te l'ai dit. Ah, j'aurais dû prendre l'autre. Ouais, mais j'aime bien le rouge, l'autre était rose. Trop de rose, bref. Donc, c'est un petit ensemble au prix de 14,95. Donc, vous avez le petit bandeau pour les yeux, genre comme ça. Et ouais, salut les gars. Vous avez la petite brassière où il y a marqué badass. Ah, genre, vous voyez qu'il y a marqué bonasse. C'est pas drôle. Badass. Et vous avez le petit short, mais du coup, c'est des têtes de mort. Alors moi, j'aime pas trop les têtes de mort d'habitude. Avec une fleur. Il tient une fleur dans la bouche. Ouais, bon, ok. Bref, c'est un petit ensemble plutôt sympa. Et moi, en fait, surtout, je l'ai pris parce que j'aimais bien le bandeau pour les yeux. Juste pour ça. S'ils avaient pu vendre le bandeau à part, j'aurais pris que le bandeau en vrai. Vu que c'est un ensemble, j'ai pris l'ensemble. Voilà mes petits articles de chez Undies. Bon, déjà, il y a déjà le petit pull là qu'elle porte. Du coup, c'est un petit avec les petites oreilles. Il est un peu croc top. Violet. Et c'est un espèce de. Il a les petits yeux bleus avec la bouche avec un espèce de cœur bizarre. Appelle un smiley. Ah, bah, il a un smiley. Bah, ouais, mais je vois. Ok, bon, bref. Et il est pilou pilou. Et ouais, les amis, pilou pilou. Tu viens de me marcher sur le pied. Pardon, tu veux que je marche sur l'eau? Ça fera de la musique. Et vas-y, on t'écoute. Malaise TV, bonjour. Alors, elle s'est pris une petite combi. Par contre, genre, en fait, voilà, elle monte la combi en mode détaché, comment tu veux qu'on voie. Donc, faut savoir que elle est à fond dans Disney, dans Roi Lion, tout bordel. Hein. Elle a gardé sa grande âme d'enfant. C'est une petite combi manche longue et les jambes longues, quoi. Combi pantalon. Donc elle va être resserrée un petit peu au niveau des jambes et au niveau des bras. Ah non, ah si, ah, j'ai cru que je m'étais trompée, mais non. Eh ouais. Donc resserrée aussi un peu au niveau des bras et c'est les bisounours. Une combi bisounours, donc vous avez les boutons au milieu pour pouvoir rentrer le popotin, quoi. À un moment donné, ils sont censés être la merde. Donc voilà, et elle a un peu toutes les couleurs hyper colorées et je trouve que c'est super marrant, quoi. À un moment donné, si on ne garde pas un peu notre âme d'enfant et qu'on n'a pas envie de s'amuser 30 secondes, trop de sérieux, tout le sérieux quoi. Elle s'est pris un petit sweat. Ah, oh bah tiens, c'est marrant. À la caméra, j'ai l'impression qu'il rend marron. Et en vrai, il est kaki. Ouais, il rend marron à la caméra. C'est marrant sur la luminosité. Donc, c'est un sweat à capuche, manche longue qui va être resserré au niveau des manches et qui va être un petit peu long. Et en fait, il est fendu un peu sur les côtés. Et il est molletonné, donc il est vraiment pas mal. Ça, tu vois, je me dis, limite, tu mets un collant, un short avec ça peut être super sympa. Paire de baskets. Et dernier petit article, un petit top. Alors, ce qui est super original, ça va être le dos, en fait. On monte le dos, parce que, genre, c'est ce qui est le plus beau, quoi. Vous voyez? Il va être comme ça. Et c'est un peu satin, non? Un peu matière satin, et il est super joli dans le dos, comme ça. J'adore, elle est trop bonne. Donc celui-ci, il est à 12,95. Ah, ta combi, elle est à combien? Le sweat, ça par contre, on l'a pas dit. Le sweat, il était à 19,95. Il était en solde.
Il était soldé, les gars. Et la combi à 24,95€. Et elle était pas en solde. Et elle était pas en solde. Je vous fais des bisous. J'espère que ça vous aura plu, que vous aussi, bah, vous êtes un peu détente. Undies addict. Ouais, ça, je pense qu'on pourrait mettre le hashtag Undies addict. Qu'est-ce qu'on disait? Au revoir. Oui, voilà. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker parce que, franchement, ça fait toujours plaisir de voir que... la communauté essaye de s'agrandir un petit peu de jour en jour. Parce que oui, nous sommes une communauté même à 12, les gars. Même à 12. Bref, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à nous laisser des petits commentaires si jamais ça vous tente. Vous avez envie de nous dire bonjour, dites-nous bonjour en commentaire, on vous répondra. On sera contente, hein. Vive les commentaires. Avec hashtag premier commentaire. Hashtag premier commentaire, ouais. Avec hashtag premier commentaire. Sur ce, si je vous mets en barre d'infos l'adresse du blog, parce que je vous ai fait un petit article sur les tenues cocooning de l'hiver qui est pas mal, et du coup bah, les produits qu'on vous a présentés ici ne sont pas dedans vu que on les avait pas encore achetés. On vient les acheter. Abonnez-vous, laissez des commentaires, likez tout ça, le blog dans la barre d'infos, les références des articles dans la barre d'infos. Et je crois que c'est tout. Voilà. Bisous, bisous. Et dites-moi en commentaire si vous voulez revoir sa tête de cornichon là. Ce serait drôle. Allez, bisous. Tu fais pas de bisous toi? Non. Elle vous dit pas mal, elle est mal polie elle. Admirez genre la taille de la mèche. Hein? T'as vu, elle est de mettre au nez. T'as de mettre au nez, m'a dit. Bref. Bonjour à tous, on espère que vous allez bien. Si je vais être blessée, t'es au courant. C'est pas grave. Bref, et ben voilà, je vous dis pas bonjour. Je vous dis juste que là, on va faire un haul pyjama 100% surchauffe de la paille. C'est une blague. Donc elle est là, mais elle est pas là. Elle sert à rien. C'est mon assistante. Je m'amuse à la frapper. Avec mes articles. Donc bref, voilà. Donc on espère que ça va vous plaire. Et... même jour, même heure, même pas. Oh là, je te mets en mode malaise TV, bah vous êtes obligée. On ne fait pas attention aux épis, n'est-ce pas? De maïs. De maïs. Pouh. Attendez, je vais éternuer. Oh, ça prend une narine, mais ça prend pas dans la deuxième. Éternue-moi. Arrête mon dos, j'ai mal. Éternue-moi. Putain, j'ai fait tomber le slip. Éternue-moi. Non, c'est bon, j'ai plus un avis. Oh, il y a un truc dans l'œil. Il m'a tourné, je t'aurais dans le cul. Malaise. Eh, mais toi, tu as trouvé des malaises partout. Et elle est ouf, elle. Mais c'est malaisant. Mais j'ai peur si je comprends rien à l'anglais. T'es malaisante. Bah, j'arrête la vidéo là. Prends le relais. Non, j'arrête de présenter. Aïe! Aïe! Aïe, les gars! J'ai pris le cintre! Bien fait, c'est le karma. Ah. Aïe, je me suis cassé un doigt! C'est un os du doigt! Pas drôle. Pour la pêche, je te laisserai te débrouiller pour présenter tes produits. Pas dans ton cul! Attends, qui ne porte pas de culotte un peu drôle? Putain, faut arrêter, les gars, faut être honnête à un moment donné. Hein. Faut jouer la carte de l'honnêteté, ok?